Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Gaming Live où on commence avec une intro et une medias res, c'est-à-dire en pleine action. Et je suis déjà mort. Alors à mes côtés, on retrouve Kéorex et Freetech. Salut les gars. Oh là là, c'est dur. Salut. Alors cette fois-ci, on est en deathmatch sur Neden 1, la map la plus prise en DM, même si ce mode de jeu n'est pas encore assez pris à mon goût. Alors moi j'aime bien DM, contrairement à Battle Royale. Parce que là, il y a un vrai esprit d'équipe. Qu'on retrouvera ah oui, quand même. On va se mettre à 3 sur une fille. C'est l'esprit d'équipe qu'il y a dans des matchs, on le retrouvera dans un autre mode de jeu. Avec des règles qui sera un petit peu, à peu près les mêmes, mais un petit peu particulières quand même. Hein. Tu parles du mode Captain Mode là. Ouais, alors le Captain Mode il ressemble aussi au Deathmatch. Mais on y parlera le moment. Beaucoup plus axé en stratégie. Hein. Aïe 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 aïe. Alors le Deathmatch, que dire à part que c'est le mode de jeu le plus basique dans les FPS, puisqu'il s'agit de tuer un maximum de gens sans être tué. Et c'est là toute la difficulté. Lorsque vous prenez par exemple 3 joueurs dans la gueule, et lui il a l'air hargneux là avec sa CS. Il va pas me lâcher. Et tous les gens avec une cesse sont hargneux, hein, Shugay. Ouais, ah voilà, aussi, tu fais bien d'en parler parce que j'avais oublié ça. Les CS, elles spamment beaucoup, surtout en DM. Et c'est ce que je déteste. Alors le spam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Le fait de bourriner sa souris. Hein. Comment ? C'est le fait de bourriner sa souris. Ouais, voilà, et du coup, on fait plein d'attaques. Quelque chose, quoi, en fait. Que ça peut être une touche de clavier, une souris. Bon, là, ça va encore, il n'y a personne qui spam dans la room. C'est assez agréable pour l'instant. C'est réglo, on va dire. Même si je me fais défoncer, j'apprécie quand même. Voilà, là, il m'a stun je ne sais pas d'où. Un petit bug visuel. Freetech qui rage un petit peu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, pas la rage. De la rage, enfin de la rage. Alors là on est en sword match, je n'en ai pas parlé, donc c'est un match exclusivement avec des armes au corps à corps. Hé hé. Ah, Freetech. J'ai tué ceux qui auront vu cette vidéo auront une faible estime pour moi. Je vois ça. Et qu'est-ce qu'on parlait déjà? Oui, les matchs au corps à corps. Alors ils sont souvent pris en station 2. Et en tunnel. Donc c'est en mode touchdown ou en tunnel, ouais, aussi. En DM c'est un peu plus rare, même si on en trouve quelques-uns, comme celui-ci par exemple. Alors là, Keo, je vois que tu as ta PS, ta Taser Sword, une arme appréciée, mais difficile à voir puisqu'il faut l'acheter avec des AP, avec des coupons, pardon. Les coupons qu'on obtient avec des coupons. Comment ? Oui, les coupons, faut les acheter avec les AP, ouais. Donc au final, ça revient au même. Bon, les coupons, faut pas les acheter n'importe comment non plus. Ouais, alors il y a plusieurs moyens d'avoir les coupons. Du genre, tu peux les avoir aléatoirement. Ou, c'est-à-dire dans les capsules, parfois tu trouves des coupons qui sortent de n'importe où. Non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans les capsules qui contiennent en fait des armes Force Pack, j'en ai deux sur moi en fait, Macro Counter Sword et ma Taser Sword. Dans ces coupons donc on peut obtenir plusieurs choses, entre autres l'arme Force Pack, et si on a de la chance, on n'a pas de chance, et ben on obtient des coupons à la place, histoire de une sorte de compensation. Alors, surtout c'est souvent des coupons genre deux coupons c'est tout le temps deux coupons en fait, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Crève. Raté. Et là, on est en train de se faire méchamment dominer, hein, je sais pas vous. Ouais, non, on est en train de se faire violer. Oui, donc je disais, dans les capsules, on obtient deux coupons.
les coupons que vous cumulez au fur et à mesure. Et une fois atteint 250 coupons, vous pourrez vous acheter une des sublimes Des deux armes. armes que je porte en ce moment. Alors faut dire que ouais, 250 coupons, C'est cher, oui. faut en acheter des AP hein, avant de les avoir. Bon, après, il y a des events qui font que ça passe à 200 coupons. Faut en profiter parce que ça dure Ouais, longtemps. mais les events, alors ça faut souvent. Les events, elles. Pardon, oui, on parlait des events coupons, mais Y a pas je d'event pensais coupons. surtout aux events des AP. Donc souvent, c'est dans des tournois qu'il faut gagner les AP. Donc après l'effort, le réconfort, mais il y a tellement peu d'appelés, enfin peu d'élus qui réussissent, et tellement d'appelés. Toi, tu as arrêté de me faire chier. Allez, cette fille, elle est hargneuse, hein, avec moi. Qui? Je sais même pas. Je crois que c'est Kuro ou Capsou. Ouais, c'est Capsou. Ah En même non, temps, j'ai pas arrêté de la Switch, tuer par derrière tout Switch. à l'heure. Donc voilà, Deathmatch, un mode de jeu bien apprécié et pas trop compliqué. C'est le premier mode de jeu que j'ai fait. Hein. Et j'étais justement sur Eden 1. Dès que j'ai commencé S4League, c'était sur cette map que j'ai joué. Ça me rappelle de bons souvenirs. Donc actuellement, on fait un gaming live. Et on va pas parler que de nous parce que 2011 va être l'année des projets. Alors il y en a plein qui sont en route, en cours, d'autres qui ont déjà commencé, qui ont déjà été aboutis pratiquement. Alors je veux bien sûr parler de S4 News qui nous a prouvé qu'il pouvait faire des bonnes vidéos. Alors il est animé par Nabi et monté par Click ici. Alors moi j'adore ces vidéos, je trouve bien marrantes. Oui, moi aussi, c'est Je sais pas pareil. ce que vous en Hein. pensez. Bon, après, c'est nos avis personnels. Hein. On Ouais, vous invite à mais je aller les pense voir qu'il d'ailleurs. y en a beaucoup qui partagent nos avis. Donc, Ah, je me suis fait tuer. Et j'aime bien ces vidéos. Alors, il y a aussi S4 Radio qui n'a pas encore commencé vraiment, donc qui donne plus trop de signes de vie, mais j'aimerais bien que ça aboutisse ce projet parce que je trouve quand même intéressant. Et bah, ça serait bien d'écouter la musique, enfin la musique par des joueurs de S4 sur S4. Ou S4 League. Enfin, moi je dis S4 League parce que je suis un bon français. Mais tu n'es pas un geek, donc tu ne dis pas S4. Ouais, c'est les geeks qui disent S4. Bah, S4 League. ceux qui prennent souvent des mots anglais, bah, on peut dire c'est des geeks, des no-life, tout ce que tu veux. Alors là, vision manichéenne de Keorex. Et oula, ça sera à mon tour de me faire défoncer. On va jouer à court, vas-y. Il y a Kuro qui vient me chercher là. Il est méchant, Kuro, hein. Avec sa CS. Tu es où? Tu es là-bas. Il essaie de me tuer là, mais il a lâché la prise. Ouh là là. Alors, dans ce mode de jeu, vous voyez bien que je laisse faire mes alliés, mais je devrais les aider. Il y a une approche technique dans ce jeu, c'est lorsque la personne attaque, faut en profiter pour la. Ouh là, voilà, comme ça par exemple. Là, il est en train de m'attaquer, j'ai esquivé et j'en profite pour l'attaquer tout de suite après. C'est la technique de base dans ce mode de jeu pour éviter de se faire tuer et de tuer l'autre. Et là, il y a aussi la surprise, comme vous avez pu le voir. Alors ouais, il y a dans le deathmatch, il y a le mode gun aussi qu'on va pas expliquer aujourd'hui puisqu'on est en sword match. De toute façon, Ou je dans veux dire, en gun, les gun match, on en a fait pas mal dans les gaming live, je me dis. Ouais, il devrait voir, mais ce que je voulais dire, c'est en mode gun, dans les DM, il y a un jeu d'équipe présent, plus présent, parce que déjà il y a le healer qui permet de soigner les alliés. Et on trouve parfois des snipes. Donc bah, c'est assez marrant de les voir. C'est pas ce qu'ils foutent là, mais. Parce que c'est. DM est souvent prise par des fraggers. Putain, je peux pas caser une phrase sans me faire tuer. Par des fraggers. Et alors là, on trouve des snipers, des tireurs assez lents, mais qui sont assez efficaces quand même, quand ils jouent bien. Ouais, quand tu joues bien, faut préciser. Bon. Bon, alors là, je suis un peu aux prises avec deux filles, et ça va être un peu la honte pour moi, vu que je vais me faire défoncer. Voilà. Bon, ce serait quand même dommage de se quitter sur mon kill, enfin sur ma mort plutôt, Sur ta et sur celle de cuisante Freetech défaite, là. sur des filles, qui Voilà, je sera me suis aussi fait la dominer mienne, par des filles. j'imagine. Donc j'en tue un et on va se dire au revoir. Ou une, voilà. C'est moi le mâle dominant. Salut les gars. Salut! Il me cherche, elle, regarde, elle est hargneuse.